L'ancien président est resté retranché au milieu de ses partisans au siège du syndicat des métallurgistes de São Bernardo do Campo, près de São Paulo, mis à jour le 7 avril 2018, Visage choqué 2.00 publié le 6 avril 2018, 22.23 Lula snob la justice. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ne s'est pas présenté aux autorités, vendredi 6 avril, dans les délais fixés par un juge pour purger une peine de 12 ans et un mois de prison pour corruption. Il était censé se rendre au siège de la police fédérale de Curitiba, Sud, à 17h locale, 22h à Paris, mais il est resté retranché au milieu de ses partisans à plus de 400 km de là, au siège du syndicat des métallurgistes de São Bernardo do Campo, près de São Paulo. Ancien métallo ayant connu une fabuleuse ascension jusqu'à la présidence du Brésil, Lula a été condamné pour avoir reçu un triplex en bord de mer de la part d'une entreprise du BTP en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. Il continue de nier farouchement et dénonce un complot visant à l'empêcher de se présenter à la présidentielle. À lire aussi sujet.